l'Eucharistie en ce deuxième dimanche de carême de l'année C, temps qui nous invite à nous rapprocher de Dieu et nous transformer à son image. Dans la liturgie d'aujourd'hui, Saint Luc nous montre comment Jésus, sur une haute montagne, en présence de trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, a été transfiguré pendant qu'il priait. Cette transfiguration est une manifestation de la relation vivante de Jésus avec son Père. Elle annonce sa mission salvifique et la gloire de sa résurrection. Au cours de cette célébration eucharistique, puisse Dieu, en ce temps de carême, nous aider à nous rapprocher de lui davantage dans l'attente de la célébration du mystère pascal. À présent, veuillez vous mettre debout pour débuter notre célébration et chantons avec la chorale. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes au deuxième dimanche de carême. Dimanche qu'on appelle très souvent dimanche de la transfiguration. Nous sommes donc appelés à transformer notre vie, transformer notre être, transformer notre façon de faire, notre façon de dire, transformer également notre façon de servir Dieu. Au seuil de cette célébration eucharistique, reconnaissons toutes les fois que nous ne sommes pas laissés transformer par Dieu. Nous ne nous sommes pas laissés transformer par son amour. Humblement, demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Prions ensemble le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. Et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. À cause de la foi d'Abraham, Dieu a conclu avec lui une alliance d'amour, celle de faire multiplier sa descendance. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 15, les versets 5 à 12, puis 17 et 18. Le Seigneur parlait à Abraham dans une vision, puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Vois quelle descendance tu auras. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir tour en Chaldée pour te mettre en possession de ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que j'en ai la possession ?» Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les morceaux, Abraham les écarta. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux s'empara d'Abraham. Une sombre et profonde frayeur le saisit. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les quartiers d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici. » Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 26. Après chaque strophe, nous chantons. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle, par pitié réponds-moi. Je n'oublie pas que tu as dit, chercher ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne la détourne pas de moi. N'écorte pas ton serviteur avec colère. Tu es je vais
verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Attends le Seigneur, sois fort et cœur de courage. Attends le Seigneur. Le Seigneur. Deuxième lecture. Comme aux Philippiens, l'apôtre Paul nous exhorte à nous détacher des choses terrestres, car nous sommes citoyens des cieux. Écoutons-le au chapitre 3, verset 17, jusqu'au chapitre 4, verset 1. Frères, prenez-moi tous pour exemple, et regardez bien ceux qui vivent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant, je leur ai dit en pleurant. Beaucoup de gens vivent en ennemi de la croix du Christ. Ils vont tous à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne tentent que vers les choses de la terre. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux. C'est à ce titre que nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui transformera nos pauvres corps à image de son corps glorieux, avec la puissance qui le rend capable aussi de tout dominer. Ainsi, mes frères bien-aimés que je désire tant revoir, vous, ma joie et ma récompense, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il alla sur une grande montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante et deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qu'il allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais en se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre a dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils. » Celui que j'ai choisi,
écoutez-le. Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et de ce qu'il avait vu, il ne dit rien à personne à ce moment-là. Acclamons la parole de Dieu. Chers enfants, chers élèves, chers frères bien-aimés, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça marche très bien. Aujourd'hui, en ce deuxième dimanche, je présume déjà que vous allez vraiment avoir la joie dans le cœur, parce que vous allez avoir beaucoup de cadeaux, beaucoup de questions, beaucoup de cadeaux. Et je donnerai à chaque personne ayant répondu à une question, un chapelet. Mais des questions très faciles, très, très, très faciles. Et je commence. Nous sommes à quel temps? Une seule personne. Voilà. Eh bien, viens, la personne, que la personne arrive, que la personne vienne ici. Voilà. Voilà ma fille. Bon. Alors, nous sommes à quel temps? Le temps de carême. Le temps de carême. Donc, ça va? Tu as un chapelet, donc tu passes le micro à l'autre personne. Donc après la messe, donc tu viens me voir, tu as un chapelet. D'accord, ma fille? Voilà. Temps de carême. Très bien. L'autre question. C'est quoi le temps de carême? Le temps de carême est le temps de, où l'on partage, où l'on fait la pénitence. On partage, très bien, on fait la pénitence. Dis-moi le bagage encore ou bien? Ou bon? Qu'est-ce qu'il y a encore dans le temps de carême? Il y a le partage, c'est très bien, c'est un P. Il y a la pénitence, c'est un autre P. Et l'autre, il y a un autre P. Dis-moi l'autre P et tu as un chapelet. Non. De prière. Bon, voilà, c'est quand même, tu as le chapelet, c'est la prière. Le temps de carême, c'est le temps de partage. Pénitence, le pardon et la prière. Les quatre P, disons encore. Le partage, le pardon, la prière et la pénitence. Très bien. Mais tu as un cadeau. Tu as un chapelet, d'accord? Voilà. Bon, qu'on est là, il y a deux autres questions que je vais poser encore. Bien facile. Besoin de l'autre monde. De l'autre monde, vous de chapelet. Bien. Venez. Je dis à qui dimanche ça y est. Un seul monde, voilà. On aurait mes questions avant de venir. Ces questions pour me poser avant de venir. Donc, pas plus venir. L'autre monde, nous mettons venir toujours, pas de problème. Je prends trois élèves encore. Et puis après, pour nous capables, relancer. Trois élèves, nous mettons venir pour trois petites questions. Voilà, mais on a fini. On entend quoi? Un autre élève? Voilà, un autre arrive. Et on entend quoi? Voilà. C'est qui l'autre? Bon, ça fait trois, ça fait quatre. Et un dernier pour faire cinq et puis ça va. Et un dernier élève? Cinq, voilà. OK, alignez-vous, arrangez-vous. Alignez-vous, hein? Voilà, alignez-vous. Très bien. Bon, voilà.
Nous sommes à quel dimanche? Nous avons dit à l'heure, dimanche ça, c'est dimanche tel bagaille. Qui dimanche lié? Parce que Jésus changé devant disciples, et l'autre. Qui dimanche lié? Deuxième dimanche de carême. Oui, c'est le deuxième dimanche de carême, ça c'est vrai. Mais qu'on bagaille qui arrive dans le deuxième dimanche ça? Qu'on façon Jésus y est devant apôtre, il pas de connait comme ça avant. Qui ça lié? Comment lié? Les la prière, radli tourne blanc, tant que lumière. Voilà, radli tourne blanc, tant que lumière. Très bien, m'a joué une boa, mais bien une signification. Est-ce que le chapelet a? Oui. Le chapelet a quand même? Oui. Voilà, eh bien, très bien, tu as le chapelet. D'accord? Tu passes le micro. Donc, dimanche ça, c'est comment le relais, hein? Dimanche ça. Dimanche de la transfiguration. Et pourquoi on l'appelle transfiguration? C'est parce que Jésus est transfiguré devant ses disciples. C'est pas vrai? Oui. Jésus transfiguré devant apôtre, c'est ça, pas vrai? Oui. Mais Jésus était transfiguré, il pas transfiguré devant tout apôtre, d'après ça l'évangile l'a dit. Il était transfiguré devant apôtre. Tout apôtre. Oui. Bon, trois non ça yo et vous gagnez chapelet. Qui trois disciples ça yo? Pierre, Jacques, et Jean, compliment, voilà. Jésus transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean. Très bien, tu, après la messe, tu passes me voir. Retourne-toi, voilà, pour que tout ensemble soit capable de voir. Voilà, retournez-vous. Ok, voilà. Maintenant, une question très facile. Dans chaque temps, nous avons payé ou mettez yon couleur différent, c'est pas vrai? Gon kou gon le paye mettez couleur blanc, gon le paye mettez couleur vert. Tu sais ça pas vrai? Voilà. Nous tant ça qui couleur paye mettez et pour qui ça c'est couleur ça le mettez? Parce que qui couleur avant, qui couleur paye mettez nous tant ça tant carême non? Qui couleur paye mettez sous les non tant carême non? Bleu. Qui couleur? Bleu. Mauve. Hein? Bon, voilà. Les gars qui ont rectifié, bon, c'est vrai. C'est mauve, c'est violet. D'accord. Mais pourquoi ça, c'est violet, mettez? Deuxième carême. C'est le carême, oui. Donc, dans le carême, on porte violet. Pas vrai? Oui. Bon, d'accord. Vous avez besoin de trop de définition, trop de signification, trop d'explication. Dis-moi, qui l'autre temps encore peut mettre violet et puis ça va? Après ton carême, non. Qui l'autre temps ouais, peut mettre violet? Hein? Après, ton carême, non? Qui l'autre temps permet de violer? On dirait qu'il a oublié. Est-ce qu'on songe? Dans qui l'autre temps permet de violer? Ou pas songer, toi, ma fille? Vous songez? Non. Dans qui l'autre temps permet de violer encore? Hein? Qui temps? C'est pas Pâques, non? C'est le temps de l'avant. Il y a le temps de l'avant, il y a le temps de carême. Les prêtres portent quelle couleur? Violet. Très bien. Mais quand même, t'inquiète pas, on te répond yon ou gen chapelet. Tu passes au micro, hein? Voilà. Y a une autre question. Nous avons année C, pas vrai? Nous avons année C. C'est ça? Année C. Hein? Oui. Oh, d'accord. Dans l'année, l'évangile peut aller. Dans l'évangile, sur ce temps là. Dans quel évangile il joint? Dans l'évangile selon Saint Matthieu, Saint Luc ou bien Saint Marc? Dans quel évangile? Au grand chapelet. Saint Luc. Saint Luc, très bien. Tu as le chapelet. Voilà, la dernière question. Ok, tu passes. La dernière question, hein? Ma fille, comment tu t'appelles? Bonjour la Francesca. Hein? Bonjour la Francesca. Borjola. Borjola, tourne-toi, Borjola. Tu regardes l'assemblée. Tu as quel âge, Borjola? 10 ans. Tu fais quelle classe? 5e année. Oui. 5e année. Mais tu portes le micro dans ta bouche, tu mets ça. Puis voilà. 5e année, pas vrai? Oui. Voilà, 5e année. Borjola,
Ma pose une question très facile. Très très facile. Combien joue Karim dans la donne? Et vous quoi chapelet? 40 jours. Hein? 40 jours. 42 jours? 40. 41? 40. 40. Est-ce que le prend? Bon, merci. Donc, le tout a gagné un chapelet. Alors, tant qu'à Karim dans son temps qui est vraiment spécial dans l'église là, faut-il bien que c'est Mounio qui vient de l'église, qui vivent dans un temps, il faut que tu comptes très bien. Mais dans le deuxième dimanche, ça, nous autres côtés, nous autres ensemble, côté que Jésus transfiguré devant Apôtre. Jésus qui changé. Changement Jésus, hein, évitez ni moi-même, ni vous-même qui l'a, pour nous capables nous-mêmes tout changer. Parce que pour capable passer un bon carême, il faut ou changer. Mais changer, c'est bien. Ce qui est important maintenant, c'est comment changer. C'est ça qui est important. L'on parle de changer, c'est pas changer couleur. Donc, on est grand pile monde qui aime changer, oui. Mais les a changé, c'est changer couleur. Aujourd'hui, il y a mon noir. Et puis après demain, il y a clair. Il y a jaune. Après, il y a tout, c'est carême qui a fait. Carême dit changer, ou même il a changé tout. Mais c'est pas changer, ça, avant de parler. C'est pas changer couleur. Changer, hein? C'est dans le sens transfiguré. Changer pour capable venir plus bon. Changer pour capable venir meilleur. C'est ça, ta carême. Mais comment pour changer? Ou bien pour changer, un, dans la foi. Fais bon Dieu plus confiance. Et c'est ça que nous jouons dans le premier mot sur la Bible. Là. Il faut avoir confiance en Dieu. Parole bon Dieu a dit non. Abraham, t'es quoi dans bon Dieu? Et bon Dieu t'es béni. Quoi dans bon Dieu, qui ça quoi avait dit, c'est faire bon Dieu confiance. Ou pas capable quoi dans bon Dieu, sont pas faire confiance. Et faire bon Dieu confiance dans tout bagaille. C'est pas faire bon Dieu confiance dans la quantité bagaille. Et puis dans l'autre bagaille, même pas faire confiance, c'est l'autre côté où aller, non? Non. Faire bon Dieu confiance dans tout bagaille, parce que bon Dieu est capable de faire tout bagaille. Donc c'est ça, faire confiance à Dieu. Même Jean. Avec Abraham, que l'église là, ouais, il est le père de la foi. Il était qui en pile la foi. Bon Dieu, t'es pénible. L'offre au monde confiance, c'est pas faire confiance à moitié, à mesure. Non. C'est faire confiance sans mesure. C'est faire confiance totalement. C'est ça, Abraham, t'es fait. Fais bon Dieu confiance totalement. Et quand ça, tous nos gros amis, l'ont fait confiance, les dit le côté avant, ou pas peur, ou fait ça, mon confiance. Parce que le pas capable maintenant, il y a un mauvais côté. Pour faire confiance. Si vous en doutez, c'est parce qu'on pas quoi dans un moment. Parce qu'on pas faire confiance. Mais c'est de même. Pour nous-mêmes, non, avec bon Dieu. Les, nous faisons bon Dieu confiance tout bon. C'est les que nous choisissons de marcher derrière Jésus. Et tout côté Jésus voulait aller avec nous. Tout côté Jésus voulait mener nous. Nous laisser Jésus guider nous. Nous laisser le mener nous. Donc c'est ça, faire confiance à Jésus. On doit faire bon Dieu confiance également dans la prière, pas seulement la foi, mais également dans la prière. Qui ça? L'évangile Saint-Luc l'en dit nous. Il dit nous que Jésus montait sur une montagne pour la prier. Le temps de carême, c'est un temps de prière. Il faut savoir prier. Il faut apprendre à prier. Il faut aimer prier Dieu. Il faut nous la prier dans ton carême. Non? Est-ce que vous savez prier, hein? Mes enfants, est-ce que vous savez prier? Est-ce que matin, l'on a venu la messe, avant de venir la messe, est-ce que nous avons prié? Hein? Pourquoi ça nous va prier? Je vais dire nous prier. Regardez, je dis nous ça, je dis. Il faut prier tous les jours. Chaque jour. Dès que tu dormis ou levé, premier ça pour faire, c'est la prière. Mais attendez, ça pour faire? Je n'entends pas. Qui s'en doit faire? Qui l'on doit prier? Chaque matin, les nous lever. Dès que nous réveillons, avant de nous lever dans la cabane, nous devons la prier. D'accord? Deuxièmement, chaque soir, avant de nous dormir, nous devons la prier. On n'a pas besoin de dire en pile bagaille dans la prière. Là. Dans la prière, qu'est-ce qu'on fait?
On peut réciter le Notre Père, on peut réciter un Je vous salue, et on dit merci à Dieu. Merci à Dieu parce qu'il permet de nous faire une bonne journée, une excellente journée. Il protéger nous pour qu'il n'y ait mal par arriver nous. Donc, nous devons prier pour nous capables de remercier. Vous avez entendu? Hein? Vous comprenez? Priez bon Dieu tous les matins au réveil. Priez bon Dieu tous les soirs avant de dormir. D'accord? Donc Jésus, lui qui est Dieu, il savait prier. Il prenait l'habitude de prier. Il prenait le plaisir de prier. De s'adresser à son Père. Il s'adresse toujours à son Père. Il prie. Il prie. Il prie tout le temps. Toujours. Chaque jour. Il allait avec disciples, Pierre, Jean-Jacques. Et puis il est monté sur montagne pour la prier. Et pendant la prière, il est changé. Mais, bon bagaille pour nous, ouais, un changement. 8 jours avant, Jésus a marché avec les disciples. 8 jours avant. Jésus dit aux disciples comme ça. Qui s'entendait vous dire, moi, yé? Qui s'entendait vous dire, sous moi, de yo? Il dit, il y a un peu de monde qui est au Céli. Il y a un peu de monde qui est au son groupe, au fait. Un peu de monde a dit parole sous. Jésus dit très bien. Et nous-mêmes, qui ça nous dit que moi y est? Qui est-ce nous dit que moi y est? Simon Pierre prend la parole. Qui ça le dit? Hein? Qui ça le dit? Tu es le Messie, le Fils. Le Fils. Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus prend le dit. Eh bien, c'est vrai, mes petits, mon Dieu. Mais il y a quelqu'un qui veut prendre. Puis arrêter. Pour faire passer misère, pour battre moi, pour cracher dans le figuier, pour capable clouer sous quoi, malgré mes petites, mon Dieu. Jésus annonçait passion, il annonçait souffrance. Mais tout de suite, Jésus finit ça, 8 jours après, Jésus prend changer devant les disciples. Jésus, ça qui dit, l'a souffrir, il est pour souffrir, mais après, il finit souffrir, il est pour lui changer, pour lui transformer, pour lui éblouissant, pour lui éclatant. Pour faire une blanche comme la neige. Ça veut dire que ça? Ça veut dire pendant le temps de carême, on peut, on doit souffrir. On doit savoir pratiquer le jeûne, la privation. Il faut savoir souffrir. Et quel que soit ce qu'on a fait, pour capable réaliser le bien, il faut ou souffrir. Pour nous capable passer. Avant nous composer, qui ça nous fait? Hein, qui ça nous fait? Nous étudier, pas vrai? Est-ce que moun là, bon, nous trop petit, mais est-ce que moun qui kon bat nay, qui kon étudier dans nuit? Hein, nous kon étudier dans nuit? J'aime connait nous remet dormi. Nous étudier dans nuit? À qui l'on arrive? À 7h du soir? À qui l'on à 8h? Hein? 10 heures. Depuis le fait 7 heures, nous dormons. Hein? Depuis le fait 7 heures, nous avons dormi. Non, nous étions plus tard, après. Nous avons fait ça à 10 heures, 11 heures. Et mais très bien, ça relève sacrifice. Mais on fait tout sacrifice, ça, yo, c'est pour capable de réussir, c'est pour capable de passer dans l'examen. Et mais c'est de même, chrétien, pour être capable de jouer un cœur content, j'ai une gloire, j'ai un bonheur dans mon Dieu. Lui doit souffrir, lui doit faire sacrifice, lui doit passer par la croix pour que lui capable, même gens avec Jésus, j'ai une gloire, lui transfigurer, j'ai un bonheur, lui j'ai un cœur content. Dans l'occasion deuxième dimanche carême ça, mes frères, mes sœurs, mes amis, mes enfants. Demandons à Dieu la grâce de transfigurer, de se transformer. Transformer pour pouvoir se ressembler avec Dieu. Ressembler avec son amour. Ressembler avec sa tendresse, sa bonté. Il faut ressembler avec Dieu. Il faut avoir l'impact, la marque de l'Esprit Saint, le sceau de l'Esprit Saint dans votre vie. Il faut l'avoir dans sa vie pour que Dieu puisse avoir possession, puisse prendre possession de votre vie. Mais demandez bon Dieu grâce à pour être capable de s'emplir avec elle, pour être capable de transformer,
Mande la grâce pour nous capables de remettre la prière. Parce que lui, il aimait la prière. Pour nous capables de coûter. Son père a dit aux disciples, lui, Jésus, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il faut apprendre à écouter Jésus en ce temps de carême. Il faut apprendre à écouter. Écouter qui veut dire entendre sa parole et appliquer sa parole, mettre sa parole en pratique. Donc, il faut le faire. Donc, c'est une grâce à demander, une faveur à chercher, à rechercher, toujours et encore, pour avoir la grâce de vivre avec Dieu, pour avoir cette grâce de participer au bonheur, au banquet céleste, pour, après avoir été mené au chemin de la croix, au calvaire, pour pouvoir ressusciter avec lui au dimanche de Pâques, au dimanche de la résurrection, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous demande d'avoir foi en Dieu. Abraham, le père de la foi, avait confiance en Dieu. Maintenant, je vous invite à proclamer votre foi en ce Dieu qui nous aime, en ce Dieu qui nous demande de le suivre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. D'une seule et même foi, d'une seule et même confiance, croyance, adressons à Dieu nos humbles prières et après chaque intention, nous chanterons ensemble. Pour le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'en ce temps de carême, ils continuent à enseigner au peuple de baptiser le partage, le pardon, la conversion, l'amour de Dieu et du prochain. Ensemble, prions. Dirigeants politiques du monde entier, spécialement ceux d'Haïti, afin qu'en ce temps de carême, ils travaillent pour la paix et le bien-être de tous. Ensemble, prions. Capoté quoi problème la vie, pour si la yo qui senti yo pour compte yo, pour tout le monde qui a souffri dans le corps yo et dans l'esprit yo,
On demande bon Dieu grand maître là pendant tout carême ça pour lui faire songer yo capable mettre confiance dans lui parce que il pas jamais lagué yo ensemble en nous la prière. Santé cap dit bon Dieu merci jodia pour tout temps yo gagné depuis y a servi paroisse là n'a bay soin axila qui n'a besoin en demander bon Dieu grand maître là pour li bayo sagesse ak bon gens volonté pour yo capable bien accomplir mission yo comme chrétien baptisé ensemble en nous la prier. Communauté paroisse noire, pour nous toutes qui rassemblés dans l'église la jodia, et pour tout le monde qui a participé dans la messe là grâce à les médias sociaux, on demande bon Dieu grand maître là, pendant tant carême là, pour lui ban nous un cœur qui tout neuf, qui plein avec j'aime l'amour, partage, pardon, avec réconciliation, pendant à préparer nous pour nous fêter fête Pâques là. Ensemble, on nous la prie. Encore le Seigneur. Seigneur, écoute la prière de ton peuple assemblé devant toi. Aide-nous à transformer notre être, à nous transformer en te suivant sur le chemin du calvaire, sur le chemin de la croix, pour pouvoir participer à ton bonheur. Toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Thank you.
Ensemble, on va offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande du Seigneur nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte en présence de Moïse et du prophète Élie. Et il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant d'une seule voix. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élu à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Je viens droit, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur chacun de nous qui s'est rassemblé, sur toutes les personnes qui ont recommandé cette messe, sur ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire de naissance, de mariage, baptême, communion et confirmation, sur le comité de la santé de la paroisse qui célèbre aujourd'hui un nouveau printemps, 9e année de leur fondation. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, ma paix, je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers et frères bien-aimés, chers enfants, chers amis, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux ne pas te recevoir sacramentalement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Thank you.
Thank you.
Encore le Seigneur pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire. Nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Quelques annonces. Mais avant les annonces, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé à cette célébration eucharistique pour rendre un sacrifice, une messe, une action de grâce digne au Seigneur. Je veux remercier toute mon aide, ministre extraordinaire de l'Eucharistie, enfant de Kyoyo. Nous remercions le comité liturgique junior. Nous remercions tous les professeurs qui accompagnent les élèves par messe. Merci à Cameraman Nuyo. Merci à Scout Kiro qui a assuré l'ordre. Merci à Moun qui fait quête. Merci à musicien yo et puis à Corala. Pour nous capables de remercier tout le monde, nous avons un gros bravo pour nous dire tout le monde merci. Voilà, merci. Mais annonce que nous gagnons. Sorti 17 pour arriver 18 mars. Alors, 17 février pour arriver 18 mars, nous connaissons paroisse Altagrasse qui a organisé une trentaine de prières à Saint-Joseph. Et je dis à nous, non, quatrième jour, neuvaine, faites ça. Nous encourager tout le monde qui peut recommander la messe, peut-être pour 30 ans, pour 9 ans, mais il y a un tridium qui va arriver. Nous capables de commencer à chanter la messe, dire la messe, pour dire bon Dieu merci pour ça, les faits pour vous par l'entremise Saint-Joseph. Et solennité, la célébrer samedi 19 mars. La fête là. La messe, on est yo à 6h15, comme le a changé. On commence à 6h15, 7h, midi, et après messe, comme d'habitude, à 4h30 dans la chapelle Padre Pio. Centre de formation. Alors,
10 au 18 mars, donc Jeanne d'Abdila, c'est neuvaine à Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, père nourricier de Jésus, gardien de l'Église, protecteur des familles. Nous encourager, nous, pour nous faire neuvaine, non. Nous encourager, nous, pour nous recommencer, ou bien pour nous recommander, messe pour neuvaine, non. Donc, capable de recommander Tridium, non. Toute contribution, ça n'a pas eu, a servi pour aider paroisse Saint-Joseph dans Lozier qui a reconstruit. Comité santé paroisse Notre-Dame d'Altagrâce a invité nous dans la messe qui va faire tout le concert là à 10h pour nous capables de dire bon Dieu merci ensemble avec vous. Comité ça a célébré 13e anniversaire existence. Il y a plusieurs monde qui va marier dans la paroisse là dans mars et avril. Il y a pour messe de mariage entre Gracia Pierre et Rosette Nicolas. Date projetée, c'est 25 mars, puis elle mariée. Il y a un mariage entre Sainte-Claire, lui, et Johanna des Hommes, 26 mars. Il y a un mariage entre Usdon, Pierre et Nadia Germain, 9 avril. Mariage entre Jean-Romain Marseille et Francia Saint-Thomas, 16 avril. Mariage entre Tifernan Catil et Chena Léontis, donc 23 avril. Mariage entre Pascal Ismaël et Sophara Verdieu, 30 avril. Autre annonce. Dimanche 27 mars, c'est pas dimanche ça, mais dimanche prochain, qui sera le 4e dimanche, carême, dimanche la joie. Généralement, nous toujours sortis avec jeunes dans la paroisse là pour nous aller de l'autre côté pour nous faire une journée de récollection pour nous être capables de marquer avec eux dans le fond de l'église là, dans le carême. L'année dernière, nous étions dans le 95, dans le 95. Nous avons passé une journée ensemble, conférence, la prière. Et l'année ça, dans le 4e dimanche carême, a bien une journée de récollection que nous avons fait avec tout jeune qui est dans le groupe, qui est dans le choral, et l'autre jeune tout qui n'est pas dans le groupe, qui n'est pas dans le choral, dans la paroisse là, qui t'a aimé participer avec nous. Dans la journée de récollection, ça, que nous avons fait dans le local Saint-Louis. Saint-Louis, qui est Delma 33. Nous avons déplacé là ensemble, nous avons aller à Saint-Louis, et puis nous avons fait une journée de récollection, de réflexion ensemble. Jeunes qui ont envie d'aller, qui sont intéressés à aller, nous sommes capables d'inscrire dans le groupe. Nous avons tout groupe jeune qui est là. Depuis que les jeunes n'ont pas dépassé 30 ans, ils sont capables d'aller ensemble avec nous, accompagner nous dans la journée de collection. Si vous êtes dans le groupe, si vous êtes dans le choral, vous êtes dans le choral, dans le groupe. Si vous n'êtes pas dans le groupe, vous êtes dans le choral, vous êtes capable de passer dans le presbytère. Vous êtes avec vous dans le secrétariat, vous êtes non. Donc, tu es par la fête là dans l'église, dans la place de la parking de l'église, non? J'ai que nous avons fait l'année dernière pour qu'ensemble nous capables d'aller à Saint-Louis pour nous passer une journée à réfléchir, une journée à partager, à vivre tant carrément. Nous apprêtons l'issue dimanche prochain, 3e dimanche de carême, pita pour tout groupe, toute chorale. Jeunes surtout qui a participé, capable de bailler. Nous avons dit tout à l'heure, après le gagner, comité santé, qui n'a pas oué, qui va célébrer le 13e anniversaire de Fondation. Nous connaissons son comité qui dit, qui toujours, non, généralement, messieurs, pour porter secours, pour porter soins, assistance à tout le monde qui est assemblé. C'est un travail presque comme ça, qui est ce que tu as fait. Mais il n'y a pas exemple de problème dans l'Assemblée, donc c'est eux-mêmes qui prennent ça en charge. Ben, ils ont un premier soin, et si il y a une possibilité pour aller avec mon saillot, l'hôpital, donc ils font. Donc, les gens vont ça là déjà. Je dis, groupe, comité maladie, ils ont une bonne fête. C'est pour bon Dieu bénir, et pour qu'ils aient toujours été attachés à le travail qu'ils ont fait. Pendant qu'ils ont pris le travail, ça n'est pas pour eux, mais c'est pour bon Dieu qu'ils ont fait.
Nous prenons le disposé, non, pour nous capables de faire prière à Saint-Joseph avant même que nous recevions la bénédiction et souhaiter bonne fête à tout le monde qui a célébré l'anniversaire. Nous avons campé, nous avons disposé, non, pour la prière à Saint-Joseph. Nous avons un chant à Saint-Joseph. Un chant à Saint-Joseph. Joseph, où t'es qu'un place, bon Dieu? Où responsable, madame, ma pitié? Toute côte famille, vini, joins-nous. Où aidez-nous, ma Dieu, joins-nous, bon Dieu. Encore. Joseph, où t'es qu'un bébé, mon Dieu? Où responsable, madame, ma pitié? Toute votre famille, fini, joignez-nous. Aidez-nous, marchez, joignez, mon Dieu. Quatrième jour, Saint-Joseph, époux de Marie, serviteur des desseins de Dieu, aide-nous à faire la volonté du Père. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme, et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils. Et il l'appela du nom de Jésus. Matthieu 1er, versets 24 et 25. Saint Joseph, obéissant et fidèle, tu as donné le nom de Jésus au Verbe de Dieu. Console-nous dans nos épreuves, pacifie-nous dans nos révoltes et apprends-nous à imiter Jésus tout en renonçant à notre propre volonté. Amen. Prière à Saint-Joseph, en répétant ensemble. Bon Saint-Joseph, mais nous qui venons joindre aujourd'hui, pour nous capables de vénérer ou même qui se gardien et protecteur de l'Église là, nous la prions pour tout responsable yo, et pour tout chrétien yo. Aidez-nous au pays, bon Dieu, même gens avec vous, pour ces volontés qui fait dans la vie nous. Aidez-nous à marcher ensemble dans l'esprit synode là, pour nous arriver à vivre dans la communion. Et puis participer pour l'Église là, capable de remplir la mission comme ça doit. Saint Joseph, ou même qui se protecteur de famille, nous prions pour toute famille. T'en prie, voyager, garder. Yo. Aider famille qui divise. Joindre chemin dialogue. Avec réconciliation. Aider ceux-là qui connaissent épreuve. Joindre consolation, yo besoin. Nous remettons famille nous chaque dans la main. Toujours camper avec nous. Nous la prions autour. Pour le monde qui travaille. Faisons toujours bénir nos bon Dieu dans le travail. Nous la prions pour le monde qui perd du travail. Pour le monde qui cherche le travail. Fais-y arriver, joignez un bon travail. Pour y être capable de prendre soin de famille. Et puis partager avec le monde qui en a besoin. Saint Joseph, où tu es un bon papa adoptif pour Jésus. Où tu prends soin. Où tu nourris. Où tu protéger.
la prière pour tout le monde. Tout adolescent et tout jeune. Bayo protection. Ak direction yo besoin. Pour yo arriver imiter Jésus. Et puis joindre dans lui inspiration. Lumière ak la grâce yo besoin. Pour yo avancer dans chemin la vie. Selon projet, mon Dieu. Saint Joseph, nous remettons tout souci nous dans la main. Nous remettons tout besoin nous dans la main. Quand il y a la fin, on est en silence. Et bien, pour nous parler avec mon Dieu, pour nous dire, mon Dieu, ça n'a rien fait pour nous par l'entremise Saint Joseph. Ensemble, accompagnez-nous. Et puis priez petit ou Jésus pour nous. Pour nous arriver à joindre satisfaction. Dans la demande nous adresser à vous. Et puis à Maman Marie. Qui c'est Madame Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. 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 Saint Joseph, où t'es qu'un peu place, bon Dieu. Responsable, madame, ma pitié. Toute votre famille, où y'a vini, joignez-nous. Où aidez, où marchez, joignez-nous. Encore, tout le monde ensemble. Joseph. Joseph, où t'es qu'un des places, mon Dieu. Où t'es responsable, madame, ma pitié. Toute votre famille, vini, joins-nous. Où aidez-nous, marchez, joins-nous, bon Dieu. Avant de recevoir la bénédiction finale, joyeux anniversaire de naissance à Alain Zamor, Aurélie Alcé, Giovanni Philoxy, Madame Jude Cajou, Naïka Richel Mathieu, Mélissa Domon Griffin, Jean-Éric Bellevue, Josette François, Matalia Xavier Jean-Bart, Patrice Lizer, Roland Degrange, Taïna Olivier, Estimé Matteo, Hippolyte, Yannick Florent, Pou Sylvanie. Nous disons toutes bonnes fêtes, c'est pour bon Dieu béni yo, et c'est pour bon Dieu ite yo transfiguré. Et maintenant, disposez-vous pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. À chacun de vous, je souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Merci. Allez dans la paix du Christ. Thank you.
Thank you.